Il y a 2 semaines, on s'est quitté là-dessus. Mais en vrai, ça ressemblait plutôt à ça. À un moment suspendu dans les airs. Et ensuite, on est rentré sur notre île. Cri, cette beauté fatale. Et les images de cette incroyable île me permettent de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vivre avec nous le moment ultime de notre voyage. L'endroit final qu'on était venu chercher et qui représentait la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle page. Vous êtes prêts? En parlant de requins, ils étaient là tous les jours, devant notre bungalow, attirés par le sang, des poissons frais, ramenés par Daddy pour nous faire à manger. Comme ça, ils ont pas l'air, mais ils font quand même quasiment 2 mètres. En vrai, ils sont hyper mignons avec leurs petites pointes noires et surtout, ils sont complètement inoffensifs. Et après notre petit déj, avec les requins, on a filé pour notre 5e plongée à Raja Ampat, la dernière de tout notre voyage. Là, on a Kell Cree, un dive spot très connu. C'est parti ? Aujourd'hui, c'est le grand jour. En fait, quand on a commencé à prévoir le voyage en Indonésie, la première image qui nous est venue d'Indonésie, c'est Raja Ampat. On a vu cette image sur Google, on a dit, c'est bon, on va là-bas. Ouais. C'était notre but ultime, notre objectif. On se rendait pas compte, en fait, d'à quel point c'était si loin. Et là, on part pour 2 heures de bateau en plus pour aller voir ce fameux point de vue qui s'appelle Pianemo. Et voilà, ça sonne le glas de notre périple. Let's go for Pianemo. Yeah, finally. Juste avant le Pianemo et qui est un spot de snorkeling entre ces deux petites îles là qui apparemment est comme un jardin. L'île est déjà amazing. On y est presque. Ah putain. On l'a fait! C'était le but ultime de notre voyage et après 24 heures pour arriver à Jakarta, 36 heures pour arriver à Krai Island, plus encore 1h30 de bateau, on est à Pianemo, on l'a fait. Enfin! Et c'est magnifique comme prévu. Bonjour! Bonjour!
c'était un beau réveil hein, parce qu'on a vu trois chars, trois requins. Et on mange un bon petit déjeuner, banane frite avec du chocolat. Bizarrement, c'est bon les œufs avec du ketchup dessus à 6h30 du matin. Les œufs ? Qu'est-ce qu'on fait, Nina ? On va de l'autre côté de l'île. C'est pas sur quoi on va tomber. Là ça devient un peu plus chouette, mais... Oh mon dieu! Qu'est-ce que t'as? Oh mon dieu! Oh. Oui. On peut pas passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une araignée, il y a une toile d'araignée qui bloque tout le passage. Il y a une... Oh. Je te jure! Regarde, viens voir. Ouais. Tu crois que je vais mettre ma main à côté, elle va me sauter dessus, ouais. Partout. Je viens d'avoir la même chose que Nina, je tombe sur une. Putain, on est chez les gens. Allô ? Il se fait suffire les chiens. Là, on a un dilemme. Soit on passe pour entrer par là, et après on doit faire tout le tour de l'île. Soit on monte par la terre, là, et on redescend. Avec les araignées. Sauf que la marée, elle est haute. Et on a le sac avec l'appareil photo qui n'est pas étanche, bien sûr. Ouais, bien, on se casse. Les araignées. Du coup, on a choisi de passer par la terre. Et moi, je veux un éclaireur. Parce que Nina, elle a peur. Qu'est-ce qu'il y a ? Phasme tellement grand. Wow. Je me suis pris dans les cheveux. Je me suis pris la pointe de la feuille dans les cheveux. Genre la taille de ma main à côté. On est arrivé. Alors, repas du jour. On a des œufs qui ont été frits, panés, avec une sauce au curry, des carottes, des oignons. Ça c'est propre ici, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, des carottes et du riz, comme d'hab, tous les jours on a du riz. La base. Tout fait maison, c'est vrai que c'est délicieux. Et comme toujours avec une vue, awesome. Ça y est, c'est la fin. C'est fini. C'est la fin de notre semaine à Raja Ampat sur l'île de Cree Island. Mission accomplie. Ouais, c'était un gros objectif. On est content de l'avoir fait. Et c'était incroyable. Vraiment, pour moi, c'était un des meilleurs voyages que j'ai pu faire. De toute ma vie aussi. Tout est différent. En fait, la nature est différente. Les plongées, moi, c'était mes meilleures plongées. C'est vraiment un des plus beaux endroits du monde. Si vous aimez les endroits paradisiaques, coupés de tout, avec des requins au bord de votre bungalow, tous les jours. Tous les jours, on a vu des requins. Tous les jours. Si vous aimez plonger, si vous aimez faire du snorkeling, aller voir les oiseaux, aller sur des points de vue, vous balader entre les îles, Raja Ampat c'est fait pour vous et probablement que ça sera peut-être pas exactement la même chose dans 10 ou dans 20 heures, donc faut vraiment en profiter. C'est un long chemin pour venir ici, mais ça vaut complètement le coup. Clairement à l'autre bout du monde, donc c'est sûr que ça met du temps pour venir, mais ouais, comme tu dis, ça vaut le coup. Maintenant on va prendre la direction de Sorong, on va retourner à Bali pour de nouvelles aventures. On vous dit à tout vite. Bravo.